Je vous présente cette personne qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne sort pas et qui bouge son popotin, lui. Alors là, je peux vous le dire, il passe son temps à faire du sport, vous allez l'adorer, c'est surtout la méga star des influenceurs, Thibaut InShape. Allez. Thibaut InShape, vous êtes aujourd'hui l'un des 10 influenceurs les plus puissants de France. 25 millions d'abonnés si on calcule tous vos réseaux sociaux. Il se décline en presque 9 millions d'abonnés sur votre chaîne YouTube, presque 9 millions de followers sur TikTok, ouais. 5 millions sur Instagram. Bah, je suis loin de tout là. Il est loin de tout. Et vous vous êtes fait connaître il y a une dizaine d'années en faisant des petites vidéos sur votre passion. Le sport. Exactement. Et la musculation. Mais pardonnez-moi de vous dire, des coachs sur Internet et sur Instagram notamment, il y en a plein. Bien pourquoi sûr. Vous, ça marche plus que les, mieux que les autres? Je pense que j'ai une histoire à la base, puisque j'ai commencé, du coup, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai commencé les vidéos quand j'avais 22 ans et j'ai commencé la muscu vers 17 ans. Et en fait, tout a commencé, c'est une histoire pas super joyeuse, mais il faut qu'elle soit racontée. C'est suite à une agression, en fait, qui s'est passée dans un petit village de campagne. On s'est fait un petit peu tabasser avec une batte de baseball. Et du coup, on était surpris. Voilà, ça a réveillé un petit peu sur le coup quand on a 16-17 ans. Et suite à ce jour-là, je me souviens, le lendemain ou le surlendemain, je me suis inscrit à une salle de sport. Je me suis dit, ce n'est pas possible aujourd'hui d'être, de ne pas avoir réussi à réagir. Aujourd'hui, ces personnes-là ont fait de la prison et aujourd'hui, je n'ai plus aucune animosité envers ces personnes-là. Donc à ce moment-là, vous vous êtes dit je me suis dit, il faut que je me reprenne. Ouais, ça peut me pas. Exactement, ça peut pas rester comme ça. Et je me dis, c'est arrivé une fois, ça peut malheureusement arriver une deuxième fois ou une troisième fois. Et même, je m'en suis voulu de pas réussir à pouvoir défendre mes proches, mes amis qui étaient présents. Et du coup, ça a été vraiment le déclic. Du coup, je me suis inscrit à la salle de sport. Et là, ça fait 13 ans. Et je crois que le plus grand arrêt de sport que j'ai fait, c'est peut-être aller une semaine en 13 ans de muscu. Mais, ah ouais. Ouais, j'ai du mal, c'est pour ça que j'avais participé à une émission de Michel Simès sur la bigorexie. Non pas que je sois bigorexie. Alors la bigorexie, j'ai appris ce mot. La bigorexie, c'est quand on est addict au sport. Exactement. Alors justement, on va en parler avec Michel. Vous, vous avez une question aussi sur la dictature du sport. Est-ce qu'on n'en fait pas trop aussi? C'est qu'avant, c'était les filles dont on disait les pauvres, et à juste titre. Elles sont dans le diktat de la minceur. Mm. Il y en a qui deviennent anorexiques à cause de ça. Il y en a même qui ont des troubles psychologiques lourds parce qu'elles voulaient absolument devenir comme les mannequins, etc. Et on a l'impression maintenant que ça, c'est en train, pas forcément pour nous qui sommes autour de la table, mais on n'a pas forcément plus l'âge non plus, mais on a... C'est en train de basculer vers les garçons. C'est-à-dire que grosso modo, il faut être super bien fait. Les salles de sport, il y en a partout. Les gars sont de plus en plus costauds. Quand vous parlez, c'est vraiment ferré, c'est tout à l'énergie, il faut y aller, machin. Et on a l'impression que c'est... la norme, c'était un peu ce qui compte. Bon, c'est quand même l'intérieur. Vous avez dit c'est la beauté, la vraie beauté, c'est l'intérieur. Oui, la vraie beauté, c'est l'intérieur. Non, bien sûr, faut pas l'oublier. Je connais pas votre intérieur, mais mais on a l'impression. On pourra en parler plus tard si vous voulez. C'est l'extérieur qui compte maintenant, en fait, non? En fait, je pense qu'il y a vraiment une mouvance aujourd'hui de par le fait qu'on parlait du diabète tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment deux clans qui se forment. Il y a des gens qui deviennent de plus en plus accro au sport, addict au sport, et bien sûr, il faut toujours pratiquer son sport dans une certaine mesure. Et d'un côté, on voit que de par la sédentarité, de par les métiers, le télétravail, etc., l'inactivité, les escalators, les ascenseurs, on est de plus en plus assistés, en fait. Le fait maintenant, aujourd'hui, d'amener ses courses aujourd'hui à la maison, il n'y a même plus besoin de faire ses courses, en fait, et juste de faire l'effort de marcher avec son chariot. Aujourd'hui, en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent. Donc, ils se lèvent, ils ont passé 8 heures allongés, ils dorment. Hop, ils se réveillent le matin, ils mangent, ils prennent des calories, ils nourrissent leur corps, tant mieux, il faut un petit peu. Après, ils font du télétravail toute la journée. Le midi, ils mangent. L'après-midi, ils font ça. Et le soir, ils regardent Netflix, ils regardent des séries. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, les gens, ils ont à peine fait 1000 pas, 1500 pas dans la journée. Et ça, c'est pas bien. Bah... Et alors, vous, vous en êtes très, très loin. Regardez Thibaut InShape dans ses œuvres. Oula. Damn! Salut Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Objectif, vous aider à avoir des abdos et un ventre plat. Le temps des personnes sans pec révolue. Boum! Bon, allez, on s'entraîne ou pas? Arrête de parler. Sur le côté, comme ceci, vous descendez, vos pecs viennent toucher le sol. Mmh. Ah, ça fait du bien. Pour ceux qui veulent essayer le complément alimentaire, vous avez toujours 6% et 10% de réduction. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On essaye. En fait, quand...
Vous avez de plus musclé, c'est les cordes vocales, en fait. Ça se muscle aussi, ça s'entretient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous gueulez. J'ai essayé. Alors, je me suis calmé un petit peu. Ça, c'était des vidéos. Oh, voilà. On s'entend, hein. Voilà, on essaie. Le gars qui est à côté de vous à la fin, c'est un spécialiste de combat, non? Exactement, Franck Ropers. Exactement. Voilà, ouais, très sympa. On avait tourné avec lui une vidéo. Et alors, vous essayez quoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans vos vidéos. Il y a beaucoup d'humour. Et il y a l'idée de démocratiser et vulgariser le sport. Souvent, quand on parle aux gens de sport, les gens de suite, ils prennent peur en disant, oh non, j'y arriverai jamais, etc. Moi, je peux vous dire, je suis comme ça. Hein. Mais faut pas en fait. On a tous commencé un jour. Moi, j'adore quand vous dites 6%, 10%, tout est bossé, en fait. Ben, en fait, l'idée, c'est à travers le rire, à travers l'humour, à travers le fait de parler fort, c'est toujours de vulgariser, de galvaniser, de montrer que le sport, c'est pas juste quelque chose de la souffrance extrême, quelque chose qui fait mal. C'est aussi un moment de bonheur et c'est aussi réussir à aimer le sport pour qu'ensuite le corps nous le rende bien. Et mais alors, vous avez tout un vocabulaire. Pour faire partie de la team shape, bien sûr, il faut être énorme et sec. Et énorme et sec, en fait, c'est venu du fait juste d'être énorme en muscles et sec, dessiné, affûté. En tout cas, vous avez deux objectifs. Ce que j'ai lu, c'est arriver à 10 millions de followers sur YouTube, ouais, rencontrer le pape. Ah, vous voulez le dire au pape qu'il faut se mettre à la muscu? On peut en parler. Le pape François, ça va pas le faire. On peut en parler. Bon, après, malheureusement, il se fait un petit peu vieux. Mais l'idée, en fait, ça, c'est du coup, j'ai deux versants sur YouTube. J'ai un versant sport et j'ai un versant vraiment éducation, vulgarisation historique, des découvertes, etc. Par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir faire un reportage à Auschwitz-Birkenau, dans lequel on a pu présenter. C'est des vidéos, en fait, qui sont montrées en cours d'histoire aujourd'hui. Aux plus jeunes, en fait. Et l'idée, c'est aussi de vulgariser l'histoire, tout simplement, parce que aujourd'hui les jeunes, en fait, j'ai été passionné d'histoire très jeune, parce que mon prof a trouvé les bons mots. On a tous eu des profs qui savaient bien parler, qui nous transmettaient leur passion. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un prof là. Et je me suis dit, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un prof qui explique bien. C'est pourquoi pas faire des vidéos YouTube pour toujours. C'est une vidéo qui nous, Christophe et moi, nous a interpellés. Peut-être on est vieux cons, hein. Non, mais j'aimerais bien que vous la regardiez, vous, Michel, puisque je rappelle que vos deux grands-pères sont morts à Auschwitz, ont été arrêtés, sont morts à Auschwitz. Il y a un chapitre d'ailleurs très bouleversant dans votre livre. Et il y a un bouquin de 2015 aussi. Il y a un livre en 2015 aussi que vous aviez fait. Regardez la vidéo que fait Thibaut InShape, une vidéo qui a été vue 8 millions de fois à Auschwitz. Damn la team shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous sommes toujours en Pologne devant le camp d'extermination d'Auschwitz. Ce lieu où des milliers de personnes ont été assassinées pendant la Seconde Guerre mondiale à cause d'Adolf Hitler. Cette vidéo est la suite de ma dernière où j'ai rencontré Ginette Kolinka, survivante de ce camp d'extermination. Dans cette vidéo, nous allons mettre en image tout ce qu'elle nous a raconté. Vous êtes prêts? C'est parti, retour en histoire. Si nous sommes dans une chambre à gaz, par respect pour les victimes, il est interdit de parler à l'intérieur. Quelque part, on peut dire que l'endroit où nous sommes, c'est le plus grand cimetière de l'humanité sans aucune tombe. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel, de ce genre de vidéo? Alors, à la fois, c'est formidable parce que vous parlez à plein de jeunes. Et je voudrais rappeler quand même ce sondage qui dit que 25%, près de 25% des jeunes aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Donc vous avez ce jeune qui a des millions d'abonnés qui fait cette vidéo. Et à la fois, peut-être que certaines personnes peuvent se dire, est-ce qu'il y a un petit manque de respect? Je ne sais pas, votre avis. Alors, il y a deux façons de voir les choses. La façon basique est de se dire l'intonation, le ton qu'il prend, la façon dont tu en parles, comme sur quand tu fais, ça peut être choquant parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et effectivement, moi j'ai fait le documentaire aussi à Auschwitz, et qu'à chaque fois qu'il y a un documentaire à Auschwitz, on utilise un ton qui va avec le lieu. Enfin, c'est-à-dire que quand on va à Auschwitz, il est très difficile d'avoir un ton enjoué. Et je ne te le reproche pas, parce que la deuxième façon de le voir, c'est ce qu'a dit Léa. C'est qu'il touche un maximum de jeunes qui finissent par regarder en se disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Et donc, effectivement, l'intonation, le ton, la gestuelle, peut-être que tu aurais pu laisser tes bras un peu le long du corps, mais est-ce que le plus important n'est pas ce que ça a généré comme connaissance
une façon de cultiver des jeunes. De toucher les jeunes, de leur dire ce qui se passe. Et moi, j'ai eu quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, et Christophe, on s'est dit, tiens, c'est marrant, on n'entend pas effectivement parler d'Auschwitz avec ce ton-là. Et tout de suite après, j'ai dit, franchement, c'est bien. C'est une vidéo que j'avais tournée, je crois, il y a 5 ans à peu près. Et entre-temps, même moi, en voyant les vidéos, je me dis, tiens, j'aurais pu avoir un ton un peu plus monocorde. Et c'est juste. Enfin, monocorde, peu importe, mais peut-être, oui, moi. Exactement. C'est maintenant, en voyant ces images, je me dis, c'est vraiment, en fait, c'est le terme, j'ai refait d'autres vidéos, dans d'autres reportages, dans d'autres camps de concentration, et j'ai adopté ce ton-là beaucoup plus sobre, avec, avec des vêtements, je veux dire, plus adaptés, mais et encore la question, voilà. Mais ça, c'est en prenant de l'âge qu'en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'aurais pu avoir un ton un peu plus simple, plus voilà. Oui, mais moi, je retiens qu'il y a 8 millions de personnes qui ont vu cette vidéo. Voilà, c'est vraiment, si, en toute honnêteté, je suis très fier de ce travail-là. Et voilà, c'est le devoir de mémoire, vous pouvez... Bah, si c'est ça, c'est louable. Hein. Bah, bien sûr. Si ça marche. C'était le but. Vous dites, Michel, tout le monde doit aller à Auschwitz, tout le monde sauf mon père. Oui, parce que emmener mon père là-bas, il voudrait que j'emmène, mais à 91 ans, qu'est-ce que ça va apporter? Il va rentrer dans le lieu où son père a vécu 4 mois de façon dramatique, où il va voir le... Parce que... Moi, je pense que mon grand-père a été exécuté parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui était suspecté de typhus, on lui injectait un produit létal dans le cœur directement, dans une salle qui est encore là. Je n'ai pas envie que mon père, à 91 ans, aille souffrir en voyant le lieu où est mort son père. Il y a une autre vidéo qui a fait réagir Christophe. C'est une vidéo que vous avez faite sur la dépression. Alors moi, j'ai réagi avant même que je sache que j'allais venir ici. C'est-à-dire que je vous ai découvert, j'étais chez moi, ça passait sur mon fil, et j'ai vu une vidéo que vous avez faite sur la dépression. On la regarde, vite fait, hein. Puis après, je vous dirai, parce que je l'ai vu comme ça. On regarde, ouais. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite! Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une dépression. Bien sûr. Bon, moi, je parle pour un ami, hein, donc évidemment. Donc je sais à peu près ce que c'est qu'une dépression. Et tu peux pas on peut pas parler comme ça. En fait, je vais finir, pardon. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment fâché. Parce qu'il y a des gens en dépression qui sont... C'est une maladie, d'abord. C'est des gens qui sont pas, évidemment, dans le contrôle. C'est des gens qui sont pas du tout contents d'être dépressifs. Et ce sont pas des gens qui sont des grosses merdes. Ce sont pas des gens qui ont pas envie de se bouger le cul. Ce sont pas des gens... C'est des gens qui rêveraient de pouvoir se bouger le cul, de sortir de la couette et d'ouvrir les volets. Mais au moment où ils sont dans la dépression, ils n'y arrivent pas. Et là, je me suis dit... Qui est ce... Je ne vais pas dire le mot, mais ce n'était pas gentil. Allez-y, il n'y a pas de souci. Qui est ce petit con, en fait? Parce que j'avais vraiment les boules. Et quand je vous vois, vous êtes plutôt vraiment il est sympathique, super, vous êtes un super mec. On essaye. Et là, oui, mais on essaye, mais il faut parfois peut-être réfléchir deux secondes avant de s'exprimer. Parce que je ne voudrais pas non plus que les mômes qui vous écoutent, et ils sont un paquet, pensent que par hasard, leur papa dépressif est une merde. Bien sûr, tout à fait. Tu en fait, quand j'ai tourné cette vidéo-là, je voulais, moi qui ai un ton plutôt calme, je voulais vraiment donner un petit côté. Alors, ça, en l'occurrence. En l'occurrence, pas dans cette vidéo-là, mais je voulais vraiment donner un côté un peu à l'américaine, vraiment, en faisant cette vidéo-là. Et je me suis excusé après. Je voulais plutôt utiliser le terme, plutôt pas déprime, mais une déprime passagère. C'est vraiment ce terme-là que j'avais en tête, en utilisant le mot dépression. Et c'est pour ça que, de suite après, en fait, j'ai désamorcé en faisant une vidéo avec une psychologue pour expliquer vraiment ce qu'était la dépression, qu'il fallait s'auto-diagnostiquer, pardon, que c'était une vraie maladie. Et du coup, c'était important de prendre conscience que c'était une maladie et que le sport peut aussi aider à vaincre ça. J'ai des personnes dépressives qui m'ont dit, Thibaut, grâce à tes vidéos de sport et tes entraînements, j'ai réussi à sortir de ça. Donc je dis, encore une fois, c'était vraiment le ton qui était volontairement employé parce qu'il y a des personnes, il y a deux types de personnes. Non, les vocabulaires, moi je parle du vocabulaire. Bien sûr, c'était volontaire dans cette vidéo-là. C'était pour être américain, mais je pense qu'il vaut mieux rester français. Français, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. T'as pas fait un truc sur la grippe au moins? Non. Non, c'est bon. C'est la semaine prochaine. Fais gaffe, fais gaffe. Il va pas être content. Luz, Vernon Subutex, c'est un peu l'anti-Thibaut InShape. Vous avez, parce qu'en bossant vos deux sujets, Vernon Subutex, c'est pas un garçon très sportif, c'est juste quelqu'un qui se laisse aller refuse. Non, c'est sûr, c'est pas un garçon très sportif, mais c'est pas un garçon déprimé. C'est aussi des gens qui se regroupent, qui ont été décalqués par la vie, décalqués par l'alcool, la cigarette, les drogues, et qui, à un moment donné, se disent « Et si on trouvait quelque chose d'encore mieux que la drogue, d'encore mieux que la cigarette, d'encore mieux que la drogue ? » Si on trouvait quelque chose qui nous permet de nous retrouver et qui nous permet
de se débarrasser de toutes ces injonctions et aussi ces injonctions chimiques. Oui, mais c'est pas la muscu. Ils vont pas vers la muscu. Ils vont assez peu vers la muscu. Ouais. Assez peu c'est vers pas, la muscu. C'est la danse. C'est la danse. C'est de la muscu. Effectivement. C'est une forme. Effectivement. Est-ce que vous avez fait une vidéo sur la danse? Exactement. Exactement, danse classique, exactement. En gueulant comme ça. Et alors, il faut danser, espèce de bâtard. J'étais plus modéré. D'accord. En tout cas, Thibaut, il y a quelque chose, moi, qui me fascine chez les YouTubeurs. C'est le fait qu'il n'y ait pas de frontières entre la vie privée et la vie publique chez les YouTubeurs. Votre femme, par exemple, on la voit tout le temps. Elle s'appelle Juju Fit Cat. Exactement. Vous aimez en direct. Vous vous engueulez en direct. Pour l'instant, enfin là, vous l'avez demandé en mariage. Oui. On va voir les images. Et elle est là, elle est juste là, elle est derrière. Regardez comme elle est mignonne. La elle pauvre. Est là. Juju Fit Cat. Bonjour. Je sais pas si est-ce qu'il y a des fois où vous avez une vie privée qui n'est pas sur les réseaux sociaux? Parce que là, c'est la demande en mariage derrière. On pourrait aller très loin dans le fait de vendre notre vie privée. Mmh. On a toujours tenu à garder nos proches très loin des réseaux sociaux. Parce donc vous que... dosez. C'est pour exactement. C'est pour quand le mariage? Ah, c'est des questions privées, ça, quand même. Mais c'est où ils ont fait leur déclaration? Quelle heure? Oui, il y a l'exclu sur YouTube. Non. Il y a des choses, justement, où on sait faire la part des choses. Mais c'est bientôt. Comment? C'est bientôt, le mariage. Bah, dans l'idée, oui, je me dis que s'il m'a demandé, j'espère que c'est pas pendant 10 ans, quand même. Alors, on avait dit 2024, voilà, on va discuter. Il se fait pas draguer en DM? Eh ben non, franchement, ah pour bon le coup... Hey, j'ai le droit de me faire draguer, moi aussi. Non, mais je pense, honnêtement, les gens nous connaissent depuis longtemps, tous les deux, maintenant. Et je pense que les gens ont suffisamment de respect pour respecter notre relation, que ce soit de mon point de vue ou du sien. En tant que femme, on a plus... Vous ne faites pas draguer. Alors, c'est de la drague pas forcément hyper agréable à recevoir. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes... C'est-à-dire recevoir des photos qu'on n'a pas du tout envie de recevoir quand on est une femme sur les réseaux sociaux. Il serait temps, messieurs, d'arrêter de penser que ça va nous séduire. Bon, en tout cas, vous savez quoi? On aurait dû vous inviter tous les deux. Ah ben, sur le plateau. Et la prochaine fois, on va vous inviter. Si vous voulez, je promets. Non, mais avouez qu'ils sont tous les deux et qu'elle a un sacré caractère aussi. Paul de Saint-Sernin a une question. Oui, deux questions même pour le docteur Michel Simès. Oui. Est-ce que c'est vrai que quand on fait de la muscu, c'est pour compenser un complexe? Oui. Et deuxième question, à partir de quelle taille on peut parler de micro-pénis? Alors. Pourquoi vous avez choisi comme spécialité ORL? J'ai choisi ORL parce que c'est la spécialité dans laquelle il y a le plus d'orifices. Voilà. Très fort. Michel Simès, votre livre « Rien n'est impossible ». Mon histoire pourrait être la vôtre, c'est aux éditions Stock. Et puis vous, Thibaut InShape, on vous retrouve sur tous les réseaux sociaux du monde, et notamment sur votre chaîne YouTube Thibaut InShape et Juju Fit Cat. Je peux faire un petit truc avec Thibaut InShape? Ah oui, bien sûr. Là, maintenant, là? Oui, allez-y. Ça vous dérange pas? Allez-y. Oh non, les pompes, je suis imbattable. Non, c'est un truc assez amusant. C'est un truc assez amusant. Et je vais vous dire, c'est ridicule, vous êtes très costaud, en vrai. Hein. On s'entretient. Non, c'est vrai. Puis, dès qu'on touche, en plus, clac, avec une espèce de réflexe comme ça. Mais je fais un petit peu ça aussi. J'ai avec moi, ça n'est pas un trucage réalisé... Sans trucage, un œuf dur. Ok. Je vais vous demander de le prendre dans la main. Ok. D'accord. Et de le casser. Et je vous jure que c'est un œuf dur. Hein. Je fais pas. Ouais. Je vais me pousser un peu. Non. Au cas où, je vais le faire là. Je jure. Donc, il faut que j'arrive à le casser. D'accord. Donc vous le prenez dans la main, comme ceci, et vous me le cassez tranquillement. Ok. Vous le prenez bien. Je crois que c'est impossible, mais. Ah putain. Oh, t'es trop ça. Il a perdu. Il a mis la sauce. Hein. Alors c'est énorme. T'as tout donné. Hein. Mais Thibaut, il m'a expliqué pendant une demi-heure que c'était incassable. Ah mais c'est incassable, il le sait. C'est riche en protéines. En plus. Tu le savais? Il est en train de bouffer les autres. Alors je savais pas que c'était incassable. Mais... Ah, c'est... Non, le mange pas, tu rigoles. Et rigole, là, on compte faire comment là pour s'en rendre? Il l'a cuit il y a une semaine. C'est malade. Non, c'est un truc synthétique, c'est rien. Non, je suis désolé. Eh bien, en tout cas, c'est un happening qui a marché. Ouais. Merci. On va pas gaspiller.